Pour les quarts de finale de cette Lyon eSport, c'est de la grosse team, c'est du BDS, c'est du LDLC, c'est du niveau LFL, Nono. Oui. Donc on a vu tout à l'heure une petite équipe que tu connais bien, qui a battu de la team LFL. C'était beau. Mais là, on est encore au-dessus. C'était beau, c'était très beau. Comment ça, on est encore au-dessus? Enfin, quoi que non, bah non, du coup, ça veut dire qu'ils méritent la LFL. Bah exactement, ils ont réussi à gagner la game, évidemment, contre une équipe de la LFL. Donc on les attend, évidemment, en LFL, la team au plomb. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est LDLC OL contre oui. team BDS, mon cher. Donc LDLC OL, vous le savez, évidemment, c'est historique. Pour eux, la Lyon eSport, ils ont trois gagné ans de suite. Ouais, exactement, 3 ans d'affilée. Donc, est-ce qu'on va avoir justement une équipe qui va les faire chuter? Est-ce qu'ils vont chuter même en winner bracket? Ça va être intéressant justement à suivre. A noter qu'il y a aussi un loser bracket, hein, forcément, s'il y a un winner. C'est-à-dire qu'ils peuvent remonter au cas où. Et qu'en général, les équipes à la Lyon eSport, elles aiment bien tout gagner le samedi parce que comme ça, le dimanche, elles peuvent dormir plus longtemps. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une force de pouvoir dormir. Ah, après, t'as ceux qui aiment bien perdre tôt, comme ça, le samedi soir, ils voient des copains, ils en profitent. Aussi. Il y a de tout. En général, quand tu déplaces en LAN, c'est pas pour perdre quoi. C'est à peu près ça. Enfin, bracket winner que vous voyez ici à l'écran pour le coup. Donc vous avez un petit peu tous les matchs. Hein. Le Solari, on ne sait pas encore contre qui ils vont jouer, mais ce sera contre DGO. Les FC Nantes qui a perdu aussi contre Easy Dream, je crois. Ouais, effectivement, Easy Dream qui a gagné. Géo contre Géo, oui. Qui a gagné d'ailleurs Géo contre Géo? Bah, on ne sait pas encore, c'est to be determined. Ouais, effectivement, c'est pas encore terminé. Je sais pas si on a les informations du côté de la régie, qui a gagné Gamer Origin contre Gamer Origin Academy. Mais après, bon, ça serait quand même sur première, il peut être cool. Ça serait quand même surprenant que l'équipe Academy ait perdu quand même. Gagné. C'est vrai que ça aurait été. Gamer Origin 1 a gagné, ok. Donc l'équipe LFL a battu l'équipe Div 2. Ouais, bon. On reste sur quelque chose de logique. Logique, effectivement. Mais oui, le gros match, effectivement, qui aurait été aussi intéressant à commenter, c'est Misfit première contre Oplon. Ouais. Mais bon, évidemment, on n'a pas envie de faire de favoritisme pour la Lyon eSport. Donc, on va s'intéresser, évidemment, à d'autres équipes, bien entendu. Donc, l'équipe BDS, qu'on a déjà eu l'occasion de commenter. Ouais, bien façon sûr. Apéro tout à l'heure. Face à la team Apéro. E-sport, pardon. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, par contre, LDLC, c'est une première. Exactement, et on va voir ce qui va un petit peu. En ce moment, LDLC, ça marche pas trop mal, mieux qu'au premier split, j'ai l'impression, au niveau de la LFL. Ouais. Donc le temps de faire les ajustements et tout. Team BDS, en ce moment, on avait dit que c'était compliqué, mais là, la Lyon eSport, ça peut être aussi le moyen de redorer le blason, de reprendre confiance. Ce qui aura un petit impact, je pense. Oh, c'est va beau. Falloir voir, c'est au niveau des drafts aussi, hein, qu'est-ce qui va être récupéré, parce que les drafts sont assez flexibles, justement. Alors que je te vois regarder Polo en train de faire justement c'est tout son polo, petit taf. Mais de, le cameraman, de il se donne. Je peux te dire qu'il envoie du lourd avec sa caméra. Il nous fait un travelling parfait. Mais oui, en tout cas, je suis très curieux, évidemment, de connaître l'issue de ce match, bien sûr. Sachant que bah, ça avance assez vite, hein, quand même, côté Lyon eSport. C'est fou, elle est cool, cette journée. Genre, tout s'enchaîne bien. En fait, quand les joueurs sont pas en plein milieu de la LAN, en train de devoir aller voir les copains, parler, machin, à l'auto-toilette, passer 4 ans à courir dans les couloirs, c'est fluide, de fou. Ouais, les mecs sont chez eux, dans tous les cas, donc forcément, aussi, ça donne un avantage, moins de stress, peut-être, aussi, pour les joueurs, mine de rien. Il y a des équipes qui sont meilleures en LAN, et il y a des équipes qui sont meilleures chez elles. Ouais. En fait, le seul truc qui est un peu relou quand tu peux pas te déplacer, c'est que tu peux pas insulter tes adversaires, tu vois. Genre crier et tout à chaque fois que tu les tues. Ah, toi t'aimes bien aller à côté d'eux en mode BOUM. Ouais. Faire un petit tché. Non, mais tu sais, ça marche. Dans tous les cas, tu peux intimider ton adversaire. Vrai, hein. C'est vrai. Dans tous les sports finalement qu'on regarde, tu vois, que ce soit le foot, le rugby, etc., il y a toujours aussi une petite part d'intimidation, forcément. Ouais, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on aime bien dans le sport? Est-ce qu'on aimerait pas juste que tous les gens soient fair play en mode bah non, force et honneur et tout? C'est du friendly banter. J'ai gagné, bien joué, tout ça. Moi, je suis pour le friendly banter. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est pas injurieux, tu vois. Oui, évidemment, bien ça, sûr. Par contre, c'est un peu trop. Donc après, bon, si tu les vannes un petit peu, je t'ai solo kill, tu cries, bon. Et après, ouais. Le mec, tu vois, il peut aussi bien réagir, tu vois, en disant quoi et tout, tu manques de respect, bah attends, tu vas voir, on va se régler sur la faille de l'avocateur. Et du coup, il se donne d'autant plus. Enfin bref, on n'y est pas, puisque les équipes sont chez eux, mais par contre, la draft commence, Team BDS contre Team LDLC OL, avec du coup les bans qui s'enchaînent. Très Kalista de retirer okay, très rapidement. C'est assez marrant, avec Zakik hein, sans doute qui doit faire peur avec sa Kalista, sachant que c'est lui qui a joué Mundo récemment. Il y a le Mundo Yumi, il était du côté des LDLCOL. Eh oui, donc peut-être qu'on peut avoir un retour de Mundo Yumi. Peut-être. Pourquoi pas. Alors je le souhaite pas pour les BDS, genre je pense pas que t'as envie de jouer contre ça. Mais effectivement, c'est pas très marrant. Qui peut exister. Pas de Nocturne, pas de Xin Zhao. Ok, du coup on a enlevé ça, il reste tout ce qui est Lee Sin, il reste Lulu, il Gwen. Reste Karma. Et je sais pas pourquoi à chaque fois je fais toujours des trucs avec mes mains. Gwen aussi qui reste encore disponible. Il y aura beaucoup de champions. Voilà d'ailleurs. Gwen qui a été supprimée alors qu'on est en blue side quand même, hein, côté team BDS. Donc c'est pas forcément un champion qu'on a envie de first pick. C'est assez marrant. J'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même des counters qui existent, bien sûr, bah, notamment tu vois, type Renekton qui peut être un peu problématique quand même pour une Gwen. Mais voilà, en tout cas, ça va être enlevé ici. Qu'est-ce qu'on fait du coup côté LDLC? Est-ce qu'on retire la Karma? Est-ce qu'on la laisse disponible? Il y a Akali aussi hein, qui reste dispo là. Et qui ouais, fait partie Akali. Des gros pics de la méta en ce moment, flexable, top. Ouais, Ezreal forcément, pour éviter le Karma Ezreal. Trop fort. Très fort sur la lane. Fort, un peu moins par contre en termes de win rate par la suite.
En général, ils arrivent à gagner leur lane, mais après, par la suite, on n'arrive pas forcément à transformer. Pas bonne, quoi. L'avantage, effectivement, qu'on arrive à obtenir de ce duo de champions. Ça peut jouer sur un truc important, c'est que souvent, tu as le langage au niveau du support, et que si tu as une karma, il faut absolument que tu aies le langage ailleurs. Mm-hmm. Ce qui n'est pas toujours pris au niveau des équipes, pas assez réfléchi en amont. Il a un super, super Aphelios. Oui, exactement. Normalement. L'année dernière, on l'a vu au niveau de la Division 2, il est arrivé dans la vidéo, il a fait bababababa avec son Aphelios, c'était assez impressionnant. Ouais, il est assez bon avec son Aphelios, justement. Curieux de savoir avec quoi on va accompagner ce Aphelios, mm-hmm. puisque là, en l'occurrence, le Thresh a été retiré. On sait bien en général qu'on aime bien prendre un champion justement qui peut lui permettre d'avoir un peu plus de mobilité pour se replacer. Mais écoute, on va voir au niveau de la draft. Pour le moment, en tout cas, côté Team BDS, on perd pas de temps. Le Varus qui est extrêmement sollicité finalement, aussi bien en Div 2 qu'en LFL, par sa tenue de lane, par le POC évidemment qu'il a proposé, par les CC aussi qu'il a envoyé sur la tête des adversaires. Donc on a beaucoup d'arguments évidemment avec ce champion. C'est très versatile finalement comme pick. Une Organa au niveau de la mid lane, c'est le pick un peu safe que tu peux prendre. Mais il reste des champions type Lucian. C'est ce que j'allais dire effectivement. Ça a été pris en blind l'Orianna. Du coup, tu peux aller chercher Azir qui marche très bien aussi. Ça veut dire on veut scale hein, côté Team LDLC là. Ouais. La draft est annoncée. Azir plus Aphelios, si on perd à 15 minutes de jeu, c'est catastrophique. Ça va être terrible. Mais du coup, côté BDS, ça veut dire qu'il faut prendre des picks early avec ça. Donc Talisin, ça marche bien. Le Varus aussi. La Orianna est backup. Elle est pas mauvaise en early, mais c'est pas son temps fort. Non. Mais au moins, elle est utile pour son équipe. Elle peut quand même soutenir un petit peu. Il va falloir un support tôt qui fonctionne tôt dans la partie. Après, Orianna contre Azir, c'est pas forcément le match-up le plus évident. Hein. Azir perd. Oui, non, Azir va partir sur une comète. Mm. Donc du coup, il y a beaucoup de POC qui vont être proposés au niveau de la mid lane. Donc pour Zico, ça va pas être forcément simple d'arriver à backup ses coéquipiers. Pour avoir une priorité au niveau de la mid lane, ça va pas être évident non plus. Donc écoute, affaire à suivre au niveau de cette mid lane. Léona Brome de retirer côté LDLC et BDS. Gros focus au niveau des supports. C'est vrai qu'ils n'ont toujours pas été récupérés, c'est assez rare quand même. De voir des supports pick aussi tard dans la draft. Ça arrive parfois qu'on ait des supports en last pick, vraiment oui. aussi. Je trouve que le rôle de support, en réalité, c'est une bonne position aussi en last pick. Ouais, vraiment ouais. Te permettre. Bah, tu vois à peu près ce qu'il y a en face, donc pour déjà ne pas perdre ta lane hard, ce qui est assez important parce que t'as le contrôle des dragons, donc ça dépend beaucoup, et les drakes, ça peut avoir un impact non négligeable, surtout quand tu veux scale. Ouais, et la synergie aussi avec les jungles, éventuellement que tu peux créer, donc t'as pas mal de trucs à faire avec le rôle de support. Puis, donc là, en l'occurrence, tous les champions engage ont été retirés. Qu'est-ce qui reste comme engage? Alistar dans Blitzcrank. Une certaine mesure, Blitzcrank, oui. Rell, bien sûr, Rell, effectivement, qui revient pas mal, donc ça peut être une option. De côté Team BDS, sachant que pour LDLC, bon, il va falloir quand même un champion pour pile, l'ami Aphelios. Oh, à la Lulu, j'en parlais tout à l'heure, et on va pas la laisser avec. Il reste la Karma, mais est-ce que Karma, vraiment, tu vas la récupérer dans ces conditions-là? T'as pas beaucoup de CC, là, du côté de la Team LDLC. Hein. Est-ce qu'il reste pas... S'il reste Xin Zhao, éventuellement, pour Team BDS. Il est ban. Le ah oui, pardon, j'avais pas vu. Nocturne. Rakan, intéressant. Rakan, au niveau de la botlane, ok. Alors, ça peut aider justement au niveau des engages, c'est pas mal. Ça peut, effectivement, ça peut leur faire du bien parce qu'ils en manquent cruellement. Là, t'as un Alistar qui peut être récupéré côté BDS, qui est au quai-tier, on va dire, face à Rakan, qui permettrait aussi à la Team BDS d'avoir un peu de frontline, de protection potentielle. Et j'aime bien dans tous les cas toutes les drafts tournées, tu sais, autour de champions qui peuvent aider le Rakan à engage. Mm-hmm. Donc là, en l'occurrence, un volley, tu vois, tu peux dash dedans, donc c'est des champions avec beaucoup de mobilité, donc c'est vrai que c'est difficile d'arriver à se prémunir de ça, sachant qu'on joue avec Organa et Varus, qui restent quand même deux champions qui sont sensibles à ce type de contrôle. Mais le Alistar n'est pas forcément une mauvaise idée, justement. Un petit coup de tête sur le Rakan, ça fait le travail. J'aime bien le Alistar ici en grosse protection. Et là, on va voir si Lee Sin il est topside ou s'il est jungle. Le last pick du côté de la Team BDS, on réfléchit beaucoup. Blurzor a un super Lee Sin, pas de problème. Et ce sera un Lee Sin jungle, potentiellement avec un Jayce qui est peut-être blind. Parce que le Blurzor de Lee Sin. Top lane. Oh, le fameux Blurzor de Lee Sin. C'est validé. Et qu'est-ce qu'on prend? Malphite. Alors Malphite face à Jayce, ça marche. Genre clairement, tu stack full armure et puis tu mets des Q-spell et GG wellplay. Donc c'est un volley jungle. Le Malphite ici qui va officier face à un Jayce, matchup positif pour Malphite. En very early c'est un peu chiant mais après ça se passe bien. D'autant qu'il y a aussi des dégâts physiques au niveau de la jungle, des dégâts physiques au niveau du carry AD. Donc il n'y a que Orianna qui pourrait être réellement efficace face au Malphite. Bon, je vais pas prendre en compte les dégâts magiques de Varus. Mais du coup c'est super longtemps dans la game qu'Orianna va être efficace. Donc là, du côté des LDLCOL, ce qui est marrant c'est qu'ils ont une draft qui hard scale. Mais en fait, le Malphite peut tenir leur limite. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça qui est intéressant justement avec la draft LDLC, c'est qu'on finalement on a pris beaucoup de champions qui peuvent aider, comme tu l'as dit, à soutenir les coéquipiers, à accompagner soit Aphelios, à accompagner soit Azir. Malphite en plus qui reste, tu vois, toujours évidemment un champion que tu es obligé de surveiller. Bah, ça qui est dur quand tu as un carry, tant que tu n'as pas l'information que le Malphite a utilisé son R, et ben tu ne peux pas forcément progresser. C'est ça. Et là en l'occurrence, quand tu as que des dégâts physiques en face de toi, et ben l'intimidation est assez simple. Il y a une Organa certes, mais Organa va être en panique de toute façon. Donc écoute, ça va être intéressant justement de voir comment Dandan arrive à maîtriser son pick au niveau de la top lane. En tout cas voilà, LDLCOL contre Team BDS, est-ce que tu as une préférence mon cher Gardoum déjà? Ce sera pour moi du côté des LDLCOL aujourd'hui. Voilà. Ouais, je pars LDLCOL.
Et toi? Parce que la draft, parce que quoi? Parce que leur draft me plaît bien avec le Malphite et tout, je trouve que ça c'est assez équilibré. Ça, Nono, vas-y vite fait avant qu'on envoie au caster. Bah, le DLC évidemment. Ok, et eh bah écoutez mesdames, messieurs, pour nous ce serait le DLC, on vous renvoie vers nos chers camarades. Merci beaucoup. Ils nous jettent comme ça, tu vois. Ouais, bah, on prend, on ramasse. Ouais. Écoute, merci Gardou, merci Nono. Ah non, au plomb. Non, c'était le match d'avant, on arrête. Ouais, c'est ça. Nono, il était en mode, il y a au plomb qui va jouer, il faut les cast. Non, calme-toi, Nono. C'est compliqué. Oui, Nono, là, t'es en train d'arriver vers un mur. Effectivement, c'est de l'autre côté la sortie. Bien vu. Bien joué. Du coup, on part dans cette belle game là. Là on est type LFL, vous connaissez normalement un petit peu ce genre de composition du mid tableau approximativement hein. Genre on est quand même sur du très haut level. Avant dernier match en BO hein. Effectivement, vous avez vu la fraîcheur qu'on a là, on disait que j'ai chaud, regardez là maintenant c'est... je détache les cheveux et c'est bon, ça part quoi. Ah mais là de ouf, bah on voit tes petits cheveux sur le côté, c'est qui volent se barre. On a du coup deux grosses line-up, Malphite Jace qui m'intéresse de fou parce que j'en parle régulièrement. Sur ce match-up qui est très très simple pour un Malphite après le niveau 6, un petit peu plus galère avant, et surtout tu peux te faire dive très facilement. Exactement, et ça c'est ce qu'a proposé la compo LDLC, mais tu vois ils l'ont pris en réaction, donc ça veut dire qu'ils ont une ambition derrière côté Dan et LDLC du coup qui a le buff Lyon eSport. Déjà, c'est vrai. Ils habitent, enfin, c'est d'une équipe lyonnaise, et en plus ça fait 3 ans qu'ils gagnent la coupe. D'ailleurs Dan faisait déjà partie de la Lyon, des victorieux de la Lyon eSport dans les années précédentes. C'est vrai que Dan était déjà là avant tout ce qui était même LFL. Il se baladait déjà dans les circuits français. Dan qu'on apprécie toujours voir hein, sur la top lane, un joueur polyvalent de fou, un champion pool vraiment incroyable et un joueur agressif qui arrive quand même à se laisser porter par son équipe dans les moments où il est un peu plus weak side. Très intéressant de le suivre à chaque fois. Et ouais, comme je dis, bah, il veut te lâcher du gros super gangplank, du très bon Gnar. Là, tu le vois sur Jace. Enfin, le joueur, c'est quand même une belle plus-value dans ta line-up. Et j'ai la sensation que, du coup, c'est un joueur qui a tendance parfois, dans la fin du Spring Split en LFL, à être un peu plus... genre jouer pour lui, c'est un peu en mode bon. Il va falloir... plaisir maintenant. Ouais, un peu en mode ma team va falloir que je la carry aussi, donc on va jouer pour moi. Et là, avec l'ajout de DOS et du coup de Danart, il y a un peu ce petit changement de ok, on va jouer aussi pour le reste de l'équipe. Et là, quand t'as un pick comme ça, tu joues pour le reste de l'équipe, hein, tu joues pas pour toi. Ouais, effectivement. Ah oui, pardon, dans ma tête j'avais dit le Jace, pensais... mais oui, non, j'ai inversé les deux. Tu m'as fait douter, hein, j'étais en mode ah merde, moi j'ai dit qu'il a choisi son pick. Non, je suis bête, je me suis totalement perdu. On est bon. On a la petite line-up et effectivement il y a un trou dans le stade de Dan. Après, alors faut savoir que c'est une stratégie. Au pire, c'est pas si grave d'un point de vue. Déjà il l'a vu. Parce que tu peux poser la ward level 1 et aller acheter ton stuff parce que généralement ils font un back, les jungles. Heureusement il l'a vu, mais du coup il n'y aura pas de ward de poser level 1. En tout cas, belle pose. C'est vrai que c'est mieux avec, avec ses items. Donc là, effectivement, il est parti sur le starter classique. Il n'y a que Horn qui a le droit de partir. Et encore, non, il a besoin d'acheter quand même une petite potion chargeable. Au pire des cas, si tu le vois partir avec ça, tu sais que c'est normal. Mm-hmm. Du coup, ouais, j'en parlais du match-up Malphite contre Jace. Donc on a les games un petit peu difficiles. Mais par contre, level 6 avec un Volibear, le Jace, il va avoir un petit peu les chocottes. On a le Azir de Eka. Champion Pool par contre également hein, genre si j'ai pas dit bêtises, Océan. Je crois que les 5-6 premières games de LFL il a fait 5 ou 6 champions exactement différents. Dont un Xerath là qui nous a donné récemment oui c'est vrai, et il a fait une très bonne performance. Oh là là, incroyable son Xerath. Et là bon, son Azir on le connaît, son Azir ça reste du solide. Il va jouer contre Sikko qui est il a pas fait sa meilleure game tout à l'heure hein. Non, et c'est aujourd'hui plus le, enfin c'est pas le top mid laner aujourd'hui de LFL. Néanmoins il y a du level et il est sur un pic qui incontestablement doit être un champion que tu maîtrises à la perfection vu le nombre de games que tu peux enchaîner sur une année compétitive avec Orianna quoi. Voilà, totalement. Et c'est pas un fizz mid. Hein. Non, voilà, c'est ça. Tu le connais, ce champion. T'es un main mid, tu main Orianna. Ouais. C'est limite exagéré, mais c'est comme si en top lane, tu te disais non, je ne sais pas jouer Renekton. C'est vrai. Le voit tellement dans les compos que ça serait un petit peu dommage. Et mais ouais, par contre, il nous a montré tout à l'heure une petite game Séraphine un peu frileuse. Mm-hmm. C'était pas. Ouais, il se fait un V1 par Krupi, le meilleur joueur hein, de cette line-up apéro eSport. D'ailleurs, on n'a pas eu trop de nouvelles. Je ne sais pas comment c'est passé au niveau de la suite de Apéro eSport. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'ils du coup sont en loser bracket. Est-ce que
Ils ont enchaîné avec une nouvelle défaite qui les a mis au fond, on ne sait pas. C'est possible, hein. Le niveau est très très élevé hein, là, dans cette Lyon eSport, hein. On est dans le top 16 en gros du tournoi pro. On a dit aussi qu'on allait caster la grande finale du tournoi élite. Oui, tout ça à fait, ce sera demain. Voilà, ça sera demain évidemment, ça sera du très très gros level également. Hein. Ouais. Ne pensez pas que c'est parce que c'est le tournoi élite, le niveau sera bas, évidemment, plus bas que le tournoi pro, c'est logique. Mais on sera sur du master, grand master, oui. À n'en pas douter. Je pense qu'il y a des joueurs que vous connaîtrez. Oui, oui, genre si vous suivez un peu la scène, il y a des gens que vous connaîtrez. Mais on s'intéressera à ce tournoi élite un peu plus tard. Alors côté BDS et face à LDLC, on a fait le choix du Varus et du Alistar. Tu penses que face à un Rakan Aphelios, ça tient bien? Au contraire, c'est même plutôt performant à partir du niveau 6. Il y a un sale combo et surtout j'ai toujours ce moment-là du moi la botlane, c'est pas le rôle qui m'intéresse le plus, ouais. Mais je me dis à chaque fois avec un jungle il y a tellement moyen de faire des moves. On a le Volibear en tout cas qui va le top side, ça c'est intelligent parce qu'on l'a dit, bon il a pas perdu assez d'HP le Malphite, mais en termes de dive potentiel en early game ça peut être compliqué. Par contre on va se voir dès tous les deux, ils se sont vus, les jungles ont fait un petit check en mode il est top, tout va bien, on recule. Du coup on finit son tour. Et ça, d'ailleurs le pack de Donnarts il est un peu plus rapide. Par contre Dust et Exakik qui vont aller s'offrir le Carapater topside, botside pardon, alors que le topside a été récupéré par Blonzor qui occupera ce rôle de jungle avec un Lee Sin. Et je pense que ce type de champion, c'est-à-dire des champions carry early mid, c'est le meilleur style pour Blurzor, tu vois. C'est pas le champion, le mec scaling Zac, tu vois. Oui, non, on s'en rappelle hein, de Blurzor qui arrive à. Bah, de toute façon, oui, c'est ça, généralement, c'est des gros lignes. Attention, oh, le flash de Jelly qui est beau. Double flash in et le first blood qui est récupéré malheureusement par le Alistar, mais ça reste un bon petit first blood de Volibear qui va peut-être pouvoir arriver à temps. On sait qu'il n'y a pas de flash sur les deux joueurs. Il y a encore un heal. On veut y aller. Non, il n'y aura pas la distance et pour le choper. Effectivement, les deux sont encore full life pour te dire à quel point ça a été une domination sur le trade. On a eu. Et c'est là la force de ce combo, Varus Alistar, c'est que dans un timing niveau 3 où Aphelios, bah juste, il est en train d'attendre que des nouvelles armes arrivent, eux, ils ont juste une flèche qui se renforce et un Alistar qui a du coup utilisé son combo à bon escient, flashé par J-Link au moment même où DOS voulait retenir le Varus. Très bien vu, bonne initiative. Et Exakik et DOS peuvent se dire. Zut, on aurait peut-être dû jouer Mundo Yumi, comme dans les games de LFL. Effectivement, ça pourrait peut-être passer. Au moins, c'est vrai que tu peux moins te faire flash in la tronche par ce genre de personnage. Et, mais très très belle agression hein, de la part de cette botlane BDS. Elle a bien surpris là-dessus. Et elle a pris un petit ascendant. Même si bon, le first blood est sur un Alistar, ça reste toujours value, on prend. Hein. Oui, on va faire un back où on sera un peu plus tanky, on pourra même avoir des décalages plus impactants, surtout si on a les bots récupérés très rapidement. Avec un Varus sous la tour, à partir du niveau 6, t'as pas trop envie de le dive. Surtout si t'as une botlane qui est pas très en avance, et puis Hexa, il a pas le super attirail pour ça avec ce pic qui scale, oui, Aphelios est un champion qu'on retrouve d'ailleurs de plus en plus. Oui, on en voit un petit peu là actuellement. C'est vrai que les méta ADC varient énormément. Enfin, en vrai, j'ai envie de dire même toutes les méta en ce moment. Ah bah. On a de tout là. C'est bien, hein, les patchs sont assez réactifs. Je trouve que la top lane, qui était, tu sais, l'île isolée où tu devais jouer Shyvanar et Necton il y a quelques années, est devenue l'espace de liberté en fait. Ah oui, non, par contre je suis totalement d'accord qu'actuellement, bon, si tu veux être un main tank c'est pas non plus fou, mais tu peux sortir quelques tanks, mais par contre tu peux te régaler sur tellement de champions. Genre tu peux jouer des duellistes, tu peux jouer des tanks, tu peux jouer quasiment des AP et tu peux jouer des tireurs. Tu peux jouer des bruiseurs qui peuvent se transformer en tanks si jamais la game se passe pas très bien, tu peux varier un petit peu les plaisirs. Et non, en vrai, j'ai même moi qui adore jouer pratiquement tout le temps Gnar, j'ai ce moment-là ça m'arrive de faire 5 games d'affilée avec 5 champions différents. Une fois que t'as l'information du match-up, t'as des possibilités de counter infinies sur la top lane. Au point qu'on ait même eu Lucian et Tristana en compétitif top lane. Oula Ibo. T'as peut-être pas envie d'être placé de la sorte face à un Malphite Volibear. Ah, ils iront pas. Je pense qu'ils attendaient aussi le Lee Sin. Ouais, ils se disent, c'est surprenant comment il vient de jouer le Jace. T'as quand même un Jace qui a foncé tête baissée sur un Malphite level 6. Ouais. Il sent la douille un petit peu, alors qu'au final, ça aurait pu passer parce que le Lee Sin avait recall. Mais le petit manque d'informations qui. Et qui du paye. Coup, à ce petit jeu-là, il y a Blurzor qui devrait passer niveau 6 un peu plus tôt que Donnarts. Donnarts qui a moins de CS à 7 minutes de jeu. Et du coup, ce premier kick, il pourrait apparaître pour sa botlane, par exemple. Effectivement, maintenant qu'ils ont un petit peu l'avantage, on a encore un petit timing où les summoners sont pas disponibles. Ouais. J'avoue que le Lee Sin, c'est le moment où il se régale le plus. Hein. Ouais, je pense que là, il a quelque chose à faire. Si red buff into botlane avec le niveau 6, c'est parfait, quoi. Ouais, totalement. Là, on a envie de voir ça. Ça y est, il l'a.
Il va y aller, de toute façon, il fonce, il se dit pas, il faut faire un autre camp, il a les timers évidemment de cette bot lane. C'est facile, c'est la même que la bot lane adverse, enfin que sa bot lane à lui. Ah, il va être vu, on n'a pas le Q-spell qui connectera. Bon bah ça fait une ping de poser. Ça reste un Rakan. Oui, ça, après en vrai de vrai, cette ping elle était bien placée, oui, hein, dans tous les cas, il n'y a pas... C'est pas jeté, genre. Non. Mais c'est et vrai puis que ils n'hésitent pas, je trouve, les joueurs pros là-dessus, dès qu'il y a un trick à faire, ils le feront. Avec une pink ou même avec leur tinket. D'ailleurs, il va garder le jaune. Hein. C'est un grand classique avec Lee Sin, mais tu veux garder une ward plutôt que d'avoir le sweeper. Tu vas demander d'ailleurs, parfois, t'as, du coup, ton midlaner qui commence à sweep un peu plus tôt. Ça m'étonnerait pas que la Orianna, à un moment donné, passe au sweeper pour pouvoir clean. Totalement. Au-dessus et en dessous du dragon, par exemple. Quand t'as un Lee Sin, tu sais qu'il aime bien garder cette sweeper. Oui. Donc, effectivement, on a un petit Drake Sneaky qui s'est mis en place. C'est vrai que c'est pas Rakan. Juste là pour lui donner. Le dash potentiel. C'est ça, l'escape. Allez, reviens. Ouais, voilà. Reviens, mon pote. Je suis resté là pendant 8 minutes. Utilise le dash maintenant, contre. Je suis utile, ok Déjà que j'ai pas mon niveau 6, moi. On a pendant ce temps-là. C'est assez la classique, ça. Généralement, si le jungle a laissé le Drake, c'est qu'on va vouloir aller faire le héros de la faille. Mm-hmm. Par contre, il y a la vision et il y a potentiellement la décale. Mais là, il faut faire attention. On a le Malphite, il a qu'une envie, c'est de faire un fight. Jay, c'est un petit peu lent en early game, tant que ça a pas un peu son mythique, tout ça. Ça va pas vraiment mettre une pression là où un gros Malphite ulti, ça peut être compliqué. Je pense qu'ils arriveront pas et ils vont même pas tenter de contester. Ils se sont dit, on a fait notre objectif, on le laisse prendre celui-ci. Par contre, maintenant, il faut faire gaffe. Le héros de la faille, on sait que ça va très vite actuellement dans la méta. On n'a pas envie de perdre un membre de son équipe pendant que les prochaines minutes. On veut que ce héros de la faille soit un peu l'unique. Et là, on a tenté de trouver un moyen d'aller chercher Dandan qui se renforce, qui devient de plus en plus tanky. Et on en parlait dans d'autres matchs, qui va pouvoir s'offrir énormément d'armure vu la compo. La Orianna ne sera pas effective avant un bon bout de temps. On va jouer plutôt sur le Varus, le Jace, le Lee Sin. Trois champions avec des dégâts physiques. Eh bien, un Malphite, il se régale. Alors, c'est le meilleur champion contre l'AD. Ah, totalement. Et c'est vrai que même Orianna n'est pas... En fait, Orianna, généralement, si t'es un tank, tu vas déjà avoir un item maintenant quand même tank qui va t'apporter un petit peu de résistance magique. C'est vrai. Et t'auras pas besoin de beaucoup plus parce que tu vas prendre des points de vie. Et la Orianna ne one-shot pas un tank. Non. Clairement, donc je pense que dans toute son optimisation, à la limite on verra peut-être un Lito Passeron à la fin de la c'est game, vrai. Mais il n'y aura pas d'item résistance magique de focus. Et comme tu l'as dit, hein, bah, Tabi Ninja ça va être la régalade, le gant, oula on a un Ibo qui pense être solo alors que là il ne sait pas ce qu'il va lui arriver. Oh il y a deux gros monstres. Oh la rotation, j'avoue. Il était en train de se dire, mais elle est bien cette petite lane, je vais j'avoue, la push. J'avoue, tu vois les quatre, du coup les quatre bras là qui le taillent un par un. Alors oui ça met un peu de temps. Mais par contre, c'est efficace. C'est efficace et dans tous les cas, même si ça prend un peu de temps, il n'a pas pu bouger. Non. Et même s'il veut flush out, il aura plus les points de vie pour pouvoir s'escape. Donc il n'y avait rien à faire. Le combo est parfait. Et là, on a senti la détresse d'un Jace de pourquoi ça peut être compliqué de jouer ce genre de champion en blind pick. Et c'est peut-être le problème de cette compo BDS parce que Aibo pourrait avoir un peu le même sort que J-Link. Ou J-Link pourrait avoir le même sort que Aibo par la suite. Ah totalement, là on pourrait avoir des grosses engages. Après bon forcément il y aura un teamfight derrière. Donc tu peux pas non plus. Il n'y a pas de trèche pour le repositionner, mais quoi. Mais effectivement on a une possibilité de deux gros joueurs inciblables qui vont te foncer dessus. Bon on peut pas vraiment se faire plus. Quoique Blurzor kick. On va aller chercher Dos ça va tellement vite. Oh le nom. Pardon. Mais oui. le non-respect. Oui, oui clairement. Il y a eu un petit peu de damage de la part de Dos. Je lui dis mais je vais les embêter un petit peu les gars, j'arrive tout de suite, vous inquiétez pas, je perdrai pas de points. Donnard qui lui dit, moi j'arrive dans 10 secondes. Bon bah Donnard s'il vient pour constater le décès ici, il emmène le corps. C'est retour Blurzord à la morgue. Ouais. Tu l'as dit, hein, les joueurs pros n'hésitent pas, Blurzord il la kick instant. Genre il a fait, attends mais si on le chaîne CC il faudra rien. Ah on y retourne. Oh le très bon flash out par contre. TP Donnard de l'Oriana. Téléportation peut-être qu'il va pouvoir clutch, mais là on n'a pas trop les ultimates. On n'a pas l'ultimate du Volibear, il va tomber. Et là Eka, Eka il va prendre le même sort. Oh là là, les BDS, on se repositionne. Non, Dos peut-être. Oh non, Dos, Blurzord, non, Blurzord qui retourne. Pas deux fois Dos. Et Dos qui est tout, qui est niveau 6 et qui a encore son flash. Ouh. Oh la flèche, elle est magnifique. C'est celle de J-Link. Dos, il aime le spawn. Hein. Ouais. Oh, il va y retourner là. Oh là là, et BDS du coup sur cette action vient de mettre quasiment échec et mat les LDLC sur l'early game. Et là pourtant tu regardes, Exaki qui a fait un très bon move, très bon flash out, mais il se retrouve dans une zone où en finale, Xico il ça la régale, il a un 2 double ultimate, et là Eka peut rien faire dans l'action. Et Dandan il dit mais moi si je TP je sers à rien donc je vais pas TP. C'est un caillou. C'est un caillou qui n'a pas d'ulti. C'est exactement ça. Il ne roule même pas. Ah non, il n'y a aucune possibilité. Hein. Un petit Malphite qui n'a pas d'ultimate, franchement, il n'y a aucune pression. Donc évidemment, l'action est très bien validée. C'est vrai que ça part d'un Dos qui voulait juste un tout petit peu poke. Ouais, et ça arrange Aibo également qui se dit, ok, si
s'il faut juste que je fasse le dos rond topside et que vous sur la bot lane vous déroulez, ça va le faire. Alors c'est dommage que Erdot prenne 2 kills sur cette early game, oui. Mais c'est Blurzor qui va devoir faire la game. Blurzor qui connaît bien l'environnement de LAN, qui connaît bien l'environnement aussi BDS maintenant, ça fait un an qu'il y est. Les joueurs Genevois qui veulent montrer, parce que à double titre, évidemment faut remonter en LFL, mais aussi, et c'est le directeur, attention, face à Dandan, je vous en reparlerai un petit peu après de l'état de BDS, ils sont 3, oh, on le kick, on le repositionne, mais plante, est-ce qu'on n'est bon. Pas trop loin. Oui, c'est bon, la plante, elle leur permettra, oh, attends, il y a un héros de la faille qui a été invoqué, on veut jouer sur le top side. Ah, il n'y avait plus de timer à mon avis, mais là c'est dur parce que c'est vrai qu'on perd l'ultimate de Dandan dans cette action. C'est dur d'aller choper un Malphite dans ce moment-là. On le repousse, Doss encore une fois qui se projette. Oh, Aibo, il a failli lui éclater la tête ici avec son marteau. Tu vas pas aller trop loin. Et on va y aller avec Blurzor. Blurzor qui est en avance. Blurzor qui veut essayer de trouver une onde sonore. Elle est bien évitée par Donnart, mais on va continuer. Attention, il n'y a pas de kick. Blurzor qui continue. Chico, la shockwave. Et derrière, c'est Doss qui pourrait y passer. Les auto-attaques se multiplient. Chico qui a encore un shield. Il ne pourra pas. C'était la boulette. Mais bon, flash encore. Attendez, mais les BDS, on se repositionne. Vous ne les tuerez pas là. Non, là, il est un peu tanky quand même, le Malphite. C'est compliqué. Pendant ce temps-là, on aura quand même Eka qui récupérera quelques plaques. Mais et Varus là... qui push bot side. Hein. Ouais, on a eu une très très belle action. C'est vrai qu'il y a ce moment-là du héros de la paille. Oh la vache, c'est pas drôle ça. Bah ouais, le 1v1, il n'est pas possible pour Exakik avec ce champion. Ah bah non, et puis en plus, là, le Varus est un petit peu devant, donc c'est pire encore. Ah, y a un item. Il y a des chances que Exakik ne le voit même pas au moment où il meurt, puisqu'il aura disparu avec le Draktar. C'est vrai que Team BDS, je le disais, il faut qu'ils fassent les choses bien, parce que le manager de l'équipe a dit que s'il y avait des bons éléments qui méritaient leur place en LEC, eh bien on pourrait avoir des joueurs de BDS qui passent en LEC, tu vois. Ça serait beau, hein. T'imagines, les mecs, ils sont arrivés, Jaylin par exemple, imagine, il prouve suffisamment, il se retrouve de Div 2 à LFL, de LFL à LEC. J'avoue, ça nous fera un le petit le tout peu dans la même équipe. Je pense que c'est du jamais vu. Ça, tu vois, Adam, il a changé d'équipe pour pouvoir aller se hisser jusqu'en LEC. Oui, il est obligé, hein, évidemment. Ça reste très compliqué de pouvoir s'hisser en LEC avec la même team. Ce n'est pas des Chal up and down. Chal qui a récupéré Nuclear Int, qui a fait un peu ce parcours, on pourrait dire. Oui. Div 2, Prime League, puis LEC, mais il n'y en a que très peu qui peuvent réussir ça. Dandan qui prend sa tour, le caillou avance. Il est plus tanky, il est quasiment impossible à faire tomber. Mais côté BDS, on s'intéressera, je pense, pas trop aux cailloux, hein, mais plutôt au reste de la map. Totalement, hein. Généralement le Malphite, tu le prends en dernier en mode bon, bah s'il y a lui à tuer, vas-y, on le fait également. Mais là, ce que je voulais pointer un petit peu, c'est que ces LDLC ont un petit peu de difficulté à bien focus leurs actions. Le héros de la faille, il était activé parce qu'il n'y avait plus trop de timing, mais du coup, on s'est retrouvé dans une situation où bah, il était. Fallait peut-être pas aller chercher les plaques au final, laisser le héros taper un peu à cette tourelle et reculer parce qu'on n'a pas d'ultimate Malphite là-dessus, donc on est très très faible. Et la petite boulette ici. Et le Jace Varus. On parlait de Nidalee Varus tout à l'heure, que ça aurait pu le faire d'ailleurs, hein, Blurzor qui adore Nidalee. Mais là, on a un Jace Varus. C'est un petit peu la même sauce. Si ça touche, ça met des giga midlife. Et il y a beaucoup de cibles, de choix dans cette équipe LDLC. Et Exakik qui a pas les moyens de régène, à part avec son arme. Pour l'instant, les points de vie qu'il perd sur le poke adverse. Et ce serait un peu pareil pour Eika. Donc la situation peut devenir de plus en plus dramatique. Alors oui, par contre, on aura un caillou qui peut se mettre devant. Le Malphite, il faut en fait qu'il récupère un maximum de poke qui est envoyé. Hein. Parce que lui, il va les tanker, hein, ses coups de flèche par exemple. Ah, les flèches, c'est un peu compliqué, mais effectivement, même les Q-spells de Jace, ça sera déjà une bonne chose. Alors, on va défendre ça tranquillement. Ouais, bon, Eka, de toute façon, il sait que c'est dans deux items qu'il joue. Ouais. Mais Chico lui dit la même chose. Oh, en fait, il va peut-être pas jouer maintenant. Oh, il va jouer tout de suite. Chico qui met l'ulti. Mais c'était bien trop tard. Eka, qui me fait mentir. Au moment où je lui dis, oh, il va attendre un peu. Oh, non. Attention, pour l'instant là, ça va aussi sur la middle lane. Mais pour l'instant, ça se fait repousser par le Alistar. La téléportation de Dandan. Il a son ultimate. Ouais, Jelling qui va pas s'amuser. Quoique. Oui, mais bon, flash out. Mais derrière, il y a encore le heal. Attention, il y a quand même le Q-spell. On abandonne Doss. Oh, ouais, d'accord. Téléportation de Ibo derrière. Allez sur Exakik, le flash out. Est-ce qu'il a encore le moyen d'aller poke? Oui, le double poke de Jaylink et de Aibo. Magnifique ici. C'est une exécution en règle. Il ne reste rien de la bot lane LDLC.
Oh là là, c'est compliqué. Hein, genre le combo là-dessus, il a fait très très mal. C'est une action au final qui est rentable pour les BDS. Alors que ça a commencé sur une très très belle attention, action. Attention, surtout. Oh, on a quand même un go-in là-dessus. Ouais, Jaylin, il n'y a pas de summoner. Et Jaylin qui est plus summoner. Blowser qui veut y aller. Sur Ika, on kick, on veut tout mettre. Aibo qui doit finir le kill alors que Erdot est en train de tomber ici sur la mid lane. Eika exécuté face au BDS. C'est sanglant ce match. Ça se bat. Hein, 8-4. Je voyais aucune opportunité pour les BDS de refaire une petite action sur ce move parce que là on se disait il n'y a plus de mana sur la Alistar, ça va être complexe. On va revoir un petit peu la première action. On voit un Jaylin qui est obligé de flash out, qui se prend quand même l'ultimate de Malphite, mais là on est trop loin pour Exarchic pour follow up. Téléportation de Ibo, on est obligé d'abandonner donc DOS. Et là on va voir juste la disparition. Ouais, regardez Exarchic. Pam! En plus, il s'est vraiment trouvé dans le croisement, Des deux spells. Exactement, impossible. C'est une jolie action, c'est assez rare de voir ça. Non, il ouais, faut pas être coordonné plus tué. On vient chercher Jaylink. C'est joli. On se projette. Erdot qui repousse Eika. Oui, final, ça l'a bien placé, Eika, au final. Ouais, Eika, il se retrouve bien placé. Et là, Blurzor qui va faire le move avec Aibo pendant que Erdot en temporise 2. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est les deux cavaliers de l'apocalypse, mais un peu lent du côté de Dandan. C'est vrai qu'ils sont tout le temps côte à côte, là, les deux vigiles qui essaient de protéger petit peu leur superstar. Mais là, actuellement, c'est eux qui créent les actions. Hein. On a un Volibear qui s'est bien remis quand même dans la game parce qu'il avait un petit peu ce moment-là où il commençait à avoir un gros stuff différence. Bon, après, c'est vrai que Blurzor, il est extrêmement bien dans la game. Mm-hmm. Le Jace, il commence à faire son scaling. Et on l'a vu, hein, le combo, il fait déjà très mal. Le Varus, Jace. Oui. Et là ça y est, on commence à avoir un tout petit peu de dégâts supplémentaires parce que Jaylink ça faisait longtemps qu'il était plutôt allé chercher CDR, évidemment l'alarme et tout. Là on va avoir des dégâts en plus et on lui donne des gold qu'on va partager un peu avec Chico. Chico qui a fini son premier item, on attend le deuxième maintenant avec cette larme qui tourne. Je pense que c'est 1250 gold qu'il lui faut de plus pour pouvoir avoir une baguette, peut-être passer à l'archange. Une minute sur le Drake, 50 secondes, on va vouloir créer quelque chose. Exaki qui semble tellement loin derrière par rapport au gold, au stuff. Et encore une fois, c'est un Varus en face, donc Varus, tu le ressens directement l'impact. Là où c'est vrai que pour l'instant, Exaki. Ouais. On l'a pas vu. Oh, Lingage par contre, attention, ça va y aller, le full combo là-dessus, le Jaylink qui va disparaître, Blurzor obligé de dash out. Atomisation. Bah ouais, et en fait, FDLC profite du super timing, celui du fait que Jaylink n'a ni flash ni heal. Et du coup, le poke, il est beaucoup moins important. Il n'y a plus que Aibo ici. Quand le poke meurt, il est difficile d'utilisation. Et effectivement, pour l'instant, Aibo, il a un petit peu de damage. Mais c'est vrai que c'était surtout ce Varus qui arrive à faire les dégâts. Oh, on vous laisse projeter du côté de Blurzor. On va attendre un peu. Il y a le retour du dragon, pardon, dans une seconde. Et il faudrait que FDLC ne temporise pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il y aura le retour de Jaylink, pardon, et il aura de nouveau son flash. Il a déjà le heal qui vient de revenir. Par contre, on est à 20 minutes et c'est l'arrivée du Nashor. C'est pas un Nashor facile à réaliser pour BDS. Par contre, LDLC en mid-game, ça va être un truc assez facile hein, avec un Azir plus Jaylink, Exarchic, pardon. Oui, et tu disais là qu'effectivement il fallait qu'il concrétise sur un Drake, mais le gros problème de cette compo d'LDLC, c'est qu'une fois que le Malphite et le Rakan ont utilisé leurs ultimates, c'est super dur à setup, même le Volibear l'avait activé là-dessus, donc c'était très très compliqué de pouvoir faire une action au final là-dessus. Attention, Donnard, faut pas qu'il se fasse choper le Q-spell qui va être dodge. Ouais, Aibo qui met son vers le ciel, qui n'a plus trop de mana. Et Kai, il a envie de faire un truc, ça se sent, mais attention, il y a quand même l'air d'autre qui est pas loin. On va... potentiellement disengage. Mais ouais, c'est un peu comme une flip ici ce move. 3 Drake à 0, hein, ça devient très compliqué. En fait, on a ce problème là dès le DLC qui arrive à faire des moves parce que Dandan met un ultimate, mais derrière, ça me fait penser un petit peu au top laner des fois qui joue Ignite, qui certes arrive à prendre le kill, mais qui sont obligés de recall parce qu'ils ont un HP. Le top laner adverse qui téléporte et ta wave en fait elle est tellement push vers l'adversaire qu'il peut freeze la lane. Il est à 0-1-0, il a gagné sa lane. Ouais. Bah là, c'est la même chose. Ils ont perdu le teamfight 1-0, pas 0-1. Mais ils ont gagné au final le Drake, donc ils sont gagnants. C'est eux qui ont subi et c'est eux qui gagnent le move. C'est sans réussir à faire de kill, juste parce que leur composition leur permet pas au LDLC, s'ils récupèrent pas suffisamment de kill, de concrétiser sur un objectif. Et tu l'as dit, hein, le Baron, on n'y pense même pas encore du côté non. LDLC. Hein. Non, on n'y pense pas, même si je pense que le Azir... est un bon pic pour le faire. Aphelios, c'est connu pour pouvoir le faire, mais là... Vu son stuff, il est juste en train d'attendre patiemment dans une salle du temps. Il a encore du mal à apprendre à marcher, on attend ça. Un peu. Exactement. Alors que par contre, côté BDS, on veut courir sur le topside et courir pour aller chercher cette tourelle. On est 3 pour aller chercher Chico, Dandan qui peut à tout le moment claquer son ulti. Maintenant, il est de nouveau disponible et regardez, il grandit. Hein. D'ailleurs, Dandan... Effectivement. Oh,
on le rencontre. Blonzor, voilà, ce proc de Malphite. Tu lui feras pas de dégâts. D'ailleurs, est-ce qu'on a quelque chose pour aller chercher à réduire cette armure côté BDS? Pour l'instant, pas du tout. Non, c'est pas l'objectif, mais après, le Malphite est pas vraiment un problème, comme on l'a dit. Hein. Dès qu'ils arrivent à tuer le reste, non, non. Ça se passe. Hein. Oui, je pense qu'il faut pas trop s'appliquer à construire une stratégie autour de l'armure construite par Dandan, mais plutôt à essayer d'éviscérer Eika, Exakik, voire Donnart, qui va devenir une cible de choix parce que c'est le choix Nashor, évidemment. Plus de porteur de smite et on peut faire la différence. Dandan qui place son Q-spell. Blanzor qui ne va pas le réactiver évidemment sur la brute épaisse que peut être Dandan. Chico qui avance dans son stuff, ça y est, palier deuxième item. Mais c'est vraiment à 3 hein, qu'il fait la différence. Jeling par contre il vide sa barre de mana. Faudra faire attention si on veut jouer l'objectif. Mais bon, Nashor ça me semble encore un peu tôt. Hein. Oui non, le Nashor, tu peux même pas essayer trop le bait au final actuellement parce qu'on n'est pas non plus super bien hein, du côté des BDS. On est certes devant, mais je pense que leur objectif c'est plus d'aller essayer de chercher ce quatrième Drake, pardon, ouais, déjà. Je pense, ils ont plus cette opportunité. Pour l'instant ils vont y aller plutôt slow. Parce qu'ils ont quand même la game assez en main. Faut peut-être pas aller chercher cette ultra late game parce que ça peut être risqué, mais c'est en même vrai. Temps, un même petit si l'ultra late game c'est cool quand même. L'ultra late game c'est toujours cool. On est d'accord. Mais bonne émission d'ailleurs. C'est bien, tu l'as placé. Ah écoute, c'est rare qu'on dise ultra late game. C'est vrai, mais c'est à cause de toi, tu m'as influencé. Merci, en fait. Merci. Mais maintenant c'est des ultra mid game gob. Parce que en fait, avec la LEC c'est trop chiant, donc du coup je mets ça en mid journée. Tu t'adaptes. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, on sait qu'à 30 minutes, j'aime bien Dandan, il est en train de se faire taper parce qu'il est en train de déward. Le Nashor le tape, il lui a mis un Q-spell en mode qu'est-ce que tu veux. C'est moi le tank. Ouais, calme-toi, je suis pas sûr qu'entre le Nashor et le Malphite, ce soit pas le Malphite qui gagne. Je suis pas convaincu, j'ai pas envie de voir la fin du combat parce qu'on en a encore pour 5 minutes. Ouais. Mais à mon avis, le Malphite n'arrivera même pas à arracher 50% des HP de la cible. Ah non, ça c'est sûr. Pas possible. Mais je pense que le Alistar contre le Malphite, ça peut être assez intéressant. Ça peut être un super duel. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi aussi. Ah bah justement, c'est Erdot qui commence à faire le déplacement, mais c'est Blurzor et Chico qui sont les premiers sur la cible. Est-ce qu'à deux, ils peuvent faire la différence? On oblige l'implacable déplacement de Dandan. Par contre. Maintenant c'est que le seul intérêt. Pour eux, c'est comme si limite ils avaient fait le kill. Bah ouais, la force indomptable est plus disponible. Est-ce qu'on peut pas tourner autour de Nash? Est-ce qu'on ne dirait pas à Ebo, reviens, juste pour leur mettre la pression? C'est ça, il y a peut-être des opportunités, pardon. Malphite, faut vraiment comprendre. Le gameplay est ultra basique, mais sans ultimate, il y a plus de. Bah il est plus là le gameplay. Ouais, il y a plus de counterplay. C'est vraiment. C'est un peu la difficulté qu'on ressent en tout cas dans cette partie. D'ailleurs, je tiens à noter que Ebo. Sa première mort, sa seule mort d'ailleurs, était un peu complexe à gérer. Mais globalement, il a fait une très bonne laning phase face à ce champion. J'aime bien ce push de Aphelios qui n'est pas là, mais qui prend quand même la tourelle sans problème. Et ça fait du coup enfin 7-1 de tomber contre les Poke. Composition, c'est très bien d'avoir récupéré 7-1 pour LDLCOL, même si c'est à 25 minutes de jeu. Évidemment, Donnart va vouloir jouer. Oh, on joue sur Erdot, mais Erdot pour l'instant, c'est la volonté de faire. Et là, il bait un paquet de choses ici, Erdot. On va utiliser le Poke. Un premier sur Exakik, qui n'a pas d'arme pour pouvoir régénérer ses points de vie pour le moment. Heureusement, il y avait une petite plante. Une petite plante que Gardou m'appellerait la salade. Ah, j'appelle ça, la salade aussi. Des petits miel pops. Ah, les miel pops, pas mal aussi. Ça crunch. Ouais, bah pour l'instant, ça lui permet de rester au point de vie. Et le dragon qui est initié, alors, si on a la possibilité de le voler côté Blurzor, c'est pas la win, mais c'est un énorme play. Ça reste un non, c'est plutôt bon pour les 50-50. Oh, il y va, ça va y aller. Ils veulent le finir, il s'est récupéré. Et maintenant, il y a un premier teamfight, le teamfight qui supprime deux joueurs d'un coup. Alors que Exakik essaie de faire la différence avec son champion. Mais les 200 ans d'expérience ne suffiront pas. Regardez le poke insane avec le buff dragon. Oh, et Aibo qui vient chercher le kill. C'est un ace ici pour les BDS. Les LDLC sont à terre et pourtant, ce sont les triples champions de la Lyon eSport. Et là, on les voit, mais ils ont rien pu faire dans ce fight. J-Link, il s'est retrouvé limite free DPS. Ouais. Il se met archi bien. Et là, on a le Baron Nashor directement derrière. Le Drake sécurisé, on l'a dit. En plus, Blurzor, il adore ça, les duels de smite. Et contre un Volibear, c'est plutôt simple pour un Lee Sin. Mais là, c'était juste un smite diff. Hein, totalement, parce qu'il avait utilisé son Q-spell. Ouais. Il a fait totalement le taf. Et derrière, là par contre, le snowball il va être très énervé. On a un Exakik qui n'arrive pas pour l'instant à se placer dans cette game. Oh, pourtant, il a fait un super ulti, mais le truc c'est que il a trop de retard. En fait, 5-0, ça aurait été différent. On n'aurait pas été dans la même. Ou alors, ils ont déjà deux dragons et c'est pas la même. Mais là. J'ai envie de revoir parce que Eka pour moi a juste disparu. Je l'ai pas. Moi non plus. En fait, il s'est avancé. Pas eu l'impression qu'il a fait beaucoup de dégâts à la fin. Dos disparaît et là, Eka, il est en train de DPS.
J'ai pas vu à quel moment il perd son point de vue. Ah ouais, d'accord. Juste ah oui, d'accord, juste AZ ouais. Et OK. Ah d'accord, très bien. Juste il s'est fait poke à super long range. Il y a pas de souci. Moi je lâche le clavier, mais je peux pas jouer. Je ne peux pas jouer les gars. Mais en plus, il a pas pu du Gyo sur place, j'étais en train de me demander mais on veut essayer d'aller enfermer Chico et Aibo. Chico qui ne veut pas abandonner Aibo. La shockwave, Dandan qui ne tiendra pas. Les dégâts sont insane. Insane. Et derrière Dandan qui est au tapis, Aibo qui a de nouveau son poke. Ça ne touchera pas. Il a stressé. Je me demande s'il avait pas mis le portail. Ça a été mis correctement. Okay, mais... okay. En tout cas, on a re une TP mid du côté de BDS avec l'ambition d'aller chercher T2 sur la mid lane alors que Exakik se cache au niveau de la T2 top lane. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux fight actuellement? Là, c'est compliqué. Je pense qu'il faut laisser cette tourelle d'inhibiteur. Et là, en fait, il y a eu un moment intéressant de téléportation. Mais si tu regardais bien, au moment de la TP, il restait au moins encore 10 secondes sur l'ultimate de Malphite. Donc, on l'a dit, hein, il sert à rien dans ces moments-là. Et ils l'ont ressenti directement. Ibo, il l'a bourré. Genre, tout simplement, il s'est dit, bah, moi, je vais m'en occuper de ce Malphite. On va s'en occuper sans problème. Et ça va bien se passer. On a pour l'instant le kick, il est beau. Il a même pas eu le temps d'ulti. Non. Il n'a pas eu le temps d'ulti, derrière on se repositionne. Erdot qui est un peu le seul champion qu'on peut taper du côté des LDLC. Ça semble être très difficile, trop compliqué maintenant. Les flèches de Jennings qui ne touchent pas, mais le poke est insane du côté BDS. On va aller chercher le kill sur Jennings. Du côté de Exakik qui tombe. Dos également, Dandan est le seul résistant. Il tombe, il reste Eka. Eka face à la base, Eka qui disparaît. Et les BDS vont aller se qualifier en demi-finale de ce winner bracket de la Lyon eSport face à des LDLC complètement mis sous pression par le poke insane de Njelink et de Aibo. Composition diff ou je sais, j'arrive pas. J'ai en train de me dire, le Malphite a pas forcément mal joué dans sa game. Mais comme Last Pick, il aura pas pesé sur la game non plus. Ça aura pas été incroyable. Eka, il a fait quand même une bonne petite partie. Il y a eu des clutches et tout. Et pourtant, il y a rien. Les Drake, ils arrivaient pas à les gérer. Il y avait les teamfights qui étaient souvent. C'était les BDS qui choisissaient comment ça s'orientait au final. Même quand ils se prenaient Lingage, ils étaient en mode, en vrai de vrai, ça passera bien pour nous. DOS a fait plusieurs erreurs, je trouve. DOS a été à plusieurs c'est reprises. C'est vrai que le move bot a fait très très mal. Ouais, j'ai la sensation que, tu sais, il était un peu en mode il faut réagir, je veux être proactif. Et c'est lui qui s'est fait prendre plusieurs fois la main dans le sac. Le pic aussi de ce Lee Sin pour Blurzor qui a très très bien matché, ouais, alors incroyable. Qu'on le voit plutôt en lane. Cette fois-ci, il a été efficace. Non, totalement, rien à dire. BDS, du coup, qui se qualifie pour les demi-finales. Il faut savoir, bien évidemment, que pour les LDLC, ce n'est pas terminé. Non, heureusement, il y a un bracket. Loser bracket. Donc, on les reverra potentiellement prochainement pour la suite des matchs, en espérant pour eux une petite remontada quand même. Exactement. Et on va, avant de suivre une des demi-finales, est-ce qu'on prendra celle de BDS ou est-ce qu'on prendra celle de l'autre côté de l'arbre? On va le voir dans les prochaines minutes.